faut que je vous dise, l'été dernier, j'étais en Italie. J'ai visité l'Italie entièrement. Tout visité l'Italie, j'ai tout visité. Tous les vieux monuments romains, j'ai tout visité. Tout ce qui était ouvert et gratuit, avec mon père, on est rentré, on a tout. Ah oui. Mais j'ai vu tous les vieux monuments, alors toute l'Italie avec ses vieux monuments, puis les monuments qui datent des vieux empereurs, alors les Jules, César, Fanny, tout, on a tout, on a tout visité, tout. Et ben je vous dis, moi j'ai vu Rome avec ses vieux monuments, j'espère qu'il n'y a pas trop d'Italiens dans la salle, je voudrais pas... Et ben je vous dis, moi j'ai visité Rome, et ben Rome est très abîmée. Rome est très abîmée. Je vois là-bas à Rome, ils ont un grand cirque. Vous savez, c'est un grand cirque, ils appellent ça le Colisée. C'est là qu'ils nourrissaient les fauves, dans le temps. Rien que de la viande et pas de légumes. Moi, je leur ai dit aux Italiens, je leur ai dit, votre cirque, mais ils tombent en ruine. Vous verriez en France, des cirques, on en a, c'est autre chose que ça. Vous verriez Pindare. Ah, pardon, Pindare, là, au moins, on sent que ça vit. Faut d'ailleurs avoir le nez bouché pour pas le sentir, mais enfin... c'est comme Rome, il y a que des colonnes à Rome. Il y a que des colonnes, et c'est même pas fini. Il y en a qui arrivent là, il y en a qui arrivent là, il y en a... Ça sert à rien, ça. Il y a pas de toit dessus. C'est même pas bâché. Ouais, on m'avait dit, si tu vas à Rome, tu vas voir, faut aller à Pise, tu vas voir la tour penchée. Ben oui, j'y étais à Pise, oui, d'accord, la tour, elle penche, mais que d'un côté. Alors, on est là, on regarde, on se dit, ça va peut-être tomber sur la gueule d'un touriste, mais enfin... Et on m'avait dit, si tu vas à Rome, tu passes par Naples, tu passes par Florence, tu passes par Meusan, et puis une autre ville... Rome m'a beaucoup déçu. On m'avait dit, l'italien, c'est facile à apprendre, c'est pas vrai. Moi, je prends un taxi, j'arrive à l'hôtel, pas de sous. Alors, j'essaie d'expliquer au chauffeur, il disait, pas de sous, peut pas payer. Et je voyais bien qu'il comprenait pas, parce que plus je lui disais, peut pas payer, plus il faisait, si. Oh, ben, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose qui y échappe, parce que... Après, j'ai vu qu'il avait compris, sans quoi il n'y avait pas de raison pour qu'il me foute un coup de manivelle. Mais enfin, c'est... comme on dit, le spaghetti, c'est de la pâte. C'est pas vrai. Le spaghetti est vivant. La preuve, vous en piquez un avec une fourchette, vous le tenez comme ça, vous fermez les yeux, crac, vous l'avez autour du cou. Alors... Mais je vois, moi, on m'avait dit, va voir le Vatican. On m'avait dit, va au Vatican, tu vas voir. Eh ben, le Vatican m'a déçu. Pensez, le Vatican, il y a 48 salles à visiter. Il faut faire le trajet en 50 minutes, 20 secondes. Par paquet de 15, mâles et femelles. Un départ toutes les minutes. Ça fait que si vous avez un lumbago ou une jambe de bois, on vous paume, on ne vous retrouve plus. On a croisé des groupes entiers qui étaient perdus dans le Vatican. Nous, on a vu un groupe qui était perdu dans le Vatican depuis 1924. Et croyez-moi, 30 ans au Vatican, quand on n'a rien à y foutre, c'est long. Encore quand on est pape. On s'amuse, on fait des bulles, mais...